Et à Beauvais, toujours, un ciné-débat a été organisé aujourd'hui au cinéma Le CGR. Le réalisateur du film PD, Olivier Lallard, était présent face à lui, un public d'élèves. Le but est de les sensibiliser à l'acceptation de l'homosexualité. Gabin Grandsac et Aaron Tanzit, regardez. Pour faire face à l'homosexualité d'un ami, un collègue ou la sienne, comment se comporter avec le plus de bienveillance possible? C'est le message porté par le film PD d'Olivier Lallard. Vraiment, tout le monde dit que je suis PD, t'es au courant de ça? Vas-y, parle même pas avec moi, là. Un débat a été organisé avec des classes de collège, lycée et CFA de Beauvais autour du court-métrage. Une rencontre essentielle pour le réalisateur originaire de l'Oise. J'ai inscrit ce film dans le cadre de la région parce que il y a une part de mon histoire dedans. Donc pour moi, c'était important de montrer comment aujourd'hui une personne qui découvre sa sexualité en région et pas forcément à Paris, parce que ça peut ne pas être vécu de la même façon si on a grandi dans le 17e que si on a grandi à la campagne. Donc pour moi, c'est hyper important et symbolique de le faire ici aujourd'hui. À la fin de la séance, aucun tabou. Toutes les questions étaient possibles, sans aucune gêne. Ça vous donne donc l'idée de faire ce film? Est-ce que c'était difficile de s'embrasser? Et est-ce que vous recommencez la scène? Une façon de sensibiliser les élèves et les établissements scolaires à la lutte contre l'homophobie. Je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui osent assumer d'être homosexuel. Et du coup, je trouve ça important qu'il y ait des gens qui en parlent aux écrans et pour sensibiliser les gens. Pour lutter contre l'homophobie, pour dire que c'est pas une honte d'être LGBT, gay ou trans, il n'y en a pas de honte à avoir. En France, l'homophobie tue toujours alors que nous fêtons les 10 ans de la loi autorisant le mariage des couples de même sexe.